tout le monde, c'est Redon, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X. Et lors du dernier épisode, on avait traversé la moitié de la plaine foudroyée. Donc on va directement foncer dessus. Mais là, je vois tout de suite qu'il y a une stèle et le premier combat d'épisode. Et bah vas-y, fais-toi plaisir. Oh, 300. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il parlait. Ah oui, ça déconne pas là. Et comment... Wouah, wouah. Ah ouais, toi tu joues Mariole, mais attends, ça va te calmer ça. Attends, une lame de feu. Non, c'est une lame d'eau qu'il faut. Oh, j'ai pas de lame d'eau. Oh, Auron. Auron, Auron, Auron. C'est pas bon ça. Bon, c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Il faut pas cesser de déstabiliser parce que on s'est fait surprendre. Il faut shooter, il faut striker, il faut bourrer dans la gueule de ces putains d'ennemis. Let's go. Ouais, allons-y. Ouais, non, pas tout de suite, hein. D'abord, on se soigne. Oups. Bleh. Bande d'enculés. Vous êtes une belle bande de salauds, vous savez ça. Je me suis fait baiser. Alors là, il y a une stèle, là. On va se mettre devant et on va appuyer sur carré. Est-ce que ça va faire quelque chose? Bon, là c'est loulou qu'on n'a pas besoin. Ouais, c'est loulou qu'on n'a pas besoin. Je pourrais faire ramener Riku, mais Riku, je suis pas fan. Je crois que c'est celle que j'aime utiliser le moins. Et à l'heure actuelle, elle n'est pas encore très utile. À l'heure actuelle. Après, elle le sera peut-être ultérieurement, mais à l'heure actuelle, non. Une étrange stèle, j'appuie sur carré, ça marche pas. Y a rien, bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah bah non, bah là ce coup-ci c'est moi qui a... c'est mon perso qui est... qui a pas besoin d'être là. Bah ouais, faites chier. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire dans cet épisode, je viens d'y penser. On va changer un petit peu les codes. On va corser un peu plus la chose. C'est-à-dire, on va éviter d'utiliser le trio de tête. C'est-à-dire mon perso, Loulou et Waka. Donc on va mettre Auron. Auron on laisse. On va mettre Yuna. Et Kimari. Voilà. Donc ça, pendant tout l'épisode, ça va être les trois que je vais devoir utiliser avec Riku. Mes trois là, je ne vais pas les utiliser parce qu'à l'heure actuelle, ils sont très très forts, même beaucoup trop forts par rapport à l'équipe. Alors justement, ça va un peu corser la chose, ça va un peu rajouter un défi supplémentaire. Quoique Auron aussi, il faut des sacrés Thanas. Ah, il pardonne pas lui. Mais bon, là n'est pas l'essentiel. J'ai pas une... Non, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. Parce que là, quand on voit l'état des autres, voilà, moi, mon perso, par exemple, c'est lui qui a plus d'attaque, quoi. C'est dingue quoi, c'est la mage qui a plus de constitution. Alors que techniquement ça doit être pas la mage. C'est pas la mage normalement. En magie c'est un monstre. Il y a Yuna qui est légèrement un peu plus, mais en esprit c'est elle hein. Ouais, c'est le trio. Mais va te faire foutre la foudre. Vivement que je passe ton roi. C'est le trio de tête absolu. Donc on va éviter de les utiliser. Comme ça, ça va me permettre un petit peu de nous entraîner à côté. Ah ouais, mais là, ça, je m'attendais pas à ça. Bon. C'est un peu magie blanche. Anti-tonnerre. Shield us from thunderous bane. Anti-tonnerre, ça peut servir. Ici, ça peut servir, mais bon, après, dans l'absolu, je ne vois pas. C'est surtout du soin qui va servir. Auron, si tu peux me les shoot. Ah, c'est ce que je pensais. Merde, ce que je viens de faire. J'ai fait du caca. J'ai fait du gros caca. Ah. Bon, sinon, il me laisse pas trop chaud. Ouais, ça se complique vraiment. Ouais, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je complique largement la chose. Je crois que j'ai peut-être un peu trop compliqué la chose. Ouais. Ok. Ok, bon.
Non. Non, non. Bon. Là, il me laisse pas trop le choix. Il me laisse pas trop le choix. Je vais devoir faire comme ça. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, il n'y a que Yuna vraiment qui va devoir faire le truc. Et à la rigueur, si vraiment Yuna est vraiment over pété, je crois que je vais devoir me séparer de Yuna et mettre que Riku qui marie et Euron. Oh, son ultime. Oh, il s'est soulevé. Alors, attention. Pouf. Oh, ça doit faire mal. Il n'est pas mort. Mais moi si. Ah. Ah. Oh. Ah ouais, j'avais oublié que cette partie, ce côté là était plus costaud que la première partie. Il reste combien de vie? Ouais, 1000 PV. Non, non, bah non. Bah non, bah non, bah non. Return to us. C'est clair, en fait, je suis mal tombé. Y'a pas d'autre. Y'a pas d'autre mot, hein, c'est. Non, mais ça, ça s'appelle de l'acharnement, ça. Ça s'appelle de l'acharnement. Il t'a rien fait, Kimari. Alors t'es gentil, tu lui fous la paix, Kimari. Mais arrête! Mais pourquoi? Mais arrête, pauvre Kimari! Mais ça s'appelle de l'harcèlement, ça! Meurs! Le pauvre! Au gros nounours! Oh, le pauvre! Ah bah oui, c'est sûr. Ah mais non. Cet endroit a décidé de me troller. C'est une horreur. Voilà. Fuck you. Fucking plane. M'énerve déjà. Ah, m'énerve déjà cette plaine à la con. Allez hop. 4 points de force. Ça peut peut-être servir pour les chimères, mais pour moi à l'heure actuelle ça me sert pas à grand chose. Allez, plus de vie. Allez hop, ça, ça fait du bien. Kimari. Kimari, ouais, faut que je le mette par là. Je serais tenté de le mettre avec Auron, côté Auron, comme ça, ça me ferait deux gros bourrins. Ça pourrait me servir, mais pour qu'il soit avec Auron. Auron, c'est là. Là, je peux pas. Faudrait d'abord que je me mette avec mon perso pour déjà être avec Auron. Parce que, attendez, le début d'Auron est là. Ah, c'est dommage, j'aurais dû mettre un truc ici là pour direct qu'on puisse relier. Ils l'ont pas fait, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ah! Ah bah voilà, ça c'est des ennemis de foudre. Donc là j'ai l'avantage. Logiquement. Oui! Voilà, ok. J'ai l'avantage. Ouais, bon, non. Bon. Le défi, on va l'annuler. Le défi, on va l'annuler. Parce que, à l'heure actuelle, là, j'ai atteint un côté beaucoup trop compliqué. C'est trop compliqué et ils n'arrivent pas à tenir. Donc, ça tient pas. Everyone, wait. What's up? I have something to tell you. Here? We're almost out of here! Let's go! I have to say it now. Over there. Somehow, my bad feelings always come true.
I've decided to marry. I thought so. But why? Why'd you change your mind? For Spira's future and Yevon's unity. I thought it would be the best thing to do. That's not good enough. Wait, is it? Is it because of Lord Jiskal? Hey, that's fear! Show me. I can't. I must speak to Maester Seymour first. I truly am sorry, but this is... it is a personal matter. You're kidding, huh? As you wish. I'm sorry. Just one thing. I won't quit my pilgrimage. Then it is fine. Wait a minute, Auron. You don't care? I mean, you're not gonna stop her? No, I'm not. As long as she is willing to face Sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege, as long as she journeys. But that's... Yuna, just one question. Can't you just talk to Maester Seymour? You got to marry him? Don't know. But I think it is the right thing to do. Okay, I guess. Yuni! Quiet! I wish we could help somehow. Some way. It's okay. I'll be fine. She says I'm sorry. He says it's fine. She's willing to face Sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. Non, on peut pas skipper. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira, alone. And being alone in that place, well, I didn't want to think about it. J'en ai marre là, je veux traverser ces putains de plaines. Next, we're going to Makalania Temple. Yuna can talk with Seymour there. We Guardians will wait until they're done, and plan our next move. Understood? Allez, c'est bon, on se barre. C'est bon. c'est bon, on se barre. Mais non! J'ai pas le courage. Franchement, j'ai pas le courage. Une trace. Franchement, j'ai vraiment absolument pas le courage. Je suis là... J'ai envie de foncer, j'ai pas envie de perdre mon temps là ici. Non. Je fuis tous les combats. C'est Là j'ai envie de sortir de cet endroit. Ça me saoule. Voilà. Elle s'est rendue compte qu'elle est plus dans la plaine. Ah bah là, elle est contente là maintenant. You're worried about Yuna. Of course I'm worried about her. What is she thinking? The simplest answer would be, in exchange for agreeing to marry him, she hopes to negotiate with Seymour. Negotiate what? I wonder. What? All by herself? She's strong, but Seymour is the better negotiator. Well then, why don't we do something about it?
Yuna wants it this way. I just don't get it. Doesn't she trust us? On the contrary. She doesn't want us caught up in whatever it is she's planning. Yeah, that's what I thought. But that makes me worry even more. She could just tell us. That's the way she is. She's naive, serious to a fault, and doesn't ask for help. You're probably right. Yuna's easy to read. Yeah, she is. But hard to guard. Stand by her. Always. Eh oui. T'inquiète pas. Encore une cinématique? Non mais oh. Slowpokes! Sorry. It's funny how calm I was. Maybe it was because I'd realized that Yuna wasn't marrying Seymour for love. Not really. It was just her duty. Something she had to do before returning to her pilgrimage. That's what I kept telling myself anyway. And, well, maybe. I realized that Yuna and I'd never, you know. Yuna, let's go. Eh ben voilà, parfait. Ok, alors. Ah oui, on avance bien là. Temple de Macalania. Ouais, on avance super bien. Tant mieux. Bon, excellent. Bon, alors on va faire un petit tour au cerier. Ouais. Je crois que ça mérite. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter exactement ici. L'épisode sera peut-être un tout petit peu plus court que prévu. C'est pas trop grave. Parce que je vais entraîner à fond là les trois cocos, Yuna, Kimari et Oron, pour pouvoir qu'ils puissent se débrouiller tranquillement. Et là-bas on voit un Guado. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez les bails, le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir.